il viendra nous comme la pluie du printemps. La terre qui arrose la terre, il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose. Merveilleux Jésus, qui est semblable à toi, merveilleux Jésus, mon âme a soif de toi. Merveilleux Jésus, fais ta demeure en moi. Jamais je n'oublierai la simple. Hein. J'ai grandi dans une famille chrétienne, hein. Les choses de Dieu, on a toujours connu. On allait aux réunions et puis on a toujours connu ça, quoi. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait une réelle expérience avec le Seigneur. Pour moi, j'étais bien, j'ai pas connu le monde, j'ai resté toujours chez moi. J'écoutais toujours mon père et puis ses conseils m'ont mis dans une sécurité, j'ai resté chez moi. Je faisais mes petites affaires et puis c'est pas pour ça que j'avais rencontré le Seigneur quand même, parce que on était quand même, on n'était pas trop bien quand même, on était angoissés, on n'était pas bien, on n'avait pas la paix dans nous. Les petites choses qu'on faisait, on n'était pas bien. On avait besoin du Seigneur quand même, malgré qu'on ne fait pas de grandes choses, mais tant qu'on ne fait pas une rencontre réelle avec le Seigneur, on est perdu quand même. Et un jour, on est parti en mission, ça s'est trouvé qu'on est parti en mission un peu en famille, et puis on a suivi une mission, et puis dans cette mission-là, c'était une mission, ma mission. C'était une mission un peu particulière, okay. Et puis un soir,
On avait l'habitude de rester un peu dehors avec les jeunes et puis on rigolait, on faisait tout ce que faisaient les jeunes quoi dehors. Et un jour, il y avait une recherche du Saint-Esprit. Un jour, il y avait dans une réunion le soir, c'était une réunion de jeunes. Et dans cette réunion de jeunes-là, ben, il y avait une recherche de l'Esprit. Et puis il y avait vraiment l'Esprit là. C'était vraiment béni. Et puis il y avait beaucoup de jeunes qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Tout le monde venait et puis se mettait à genoux devant l'estrade. Et puis ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur vraiment il bénissait les cœurs là. Et moi, j'étais un petit peu loin. Et puis le cantique que j'ai chanté là, c'était une petite fille. Un soir, elle l'avait chanté, et puis elle avait chanté de tout son cœur, avec l'Esprit de Dieu, et puis de loin, ben, j'avais ressenti la présence de Dieu, et puis jamais j'avais ressenti la présence de Dieu comme là. J'étais dehors, et puis la réunion, je l'écoutais, elle était loin, et je ressentais la présence de Dieu dans moi, et puis cette présence, ben, elle me faisait du bien, et puis vraiment elle me poussait à venir à la réunion. J'étais loin, et puis l'Esprit me disait, viens, rentre dans la réunion, parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. Ne reste pas dehors, ne reste pas insensible. Et ça fait, j'ai pas combattu ça, je me suis laissé conduire par le Seigneur. J'ai été à la réunion dans cette soirée-là. J'ai rentré, quand j'ai rentré dans cette réunion-là, ben, j'ai ressenti vraiment encore plus la présence de Dieu. Puis cette présence que je ressentais, eh ben, ça me faisait demander pardon. Je regardais, ça me faisait voir mon état. Mon état, ben, que moi qui me croyais bien, ben, le voile s'avait déchiré à ce moment-là. Et puis je voyais vraiment mon état. Que j'étais une perdition, même que je faisais pas des grandes choses, que je boivais pas, que je fumais pas. Mais le peu que j'avais en moi, ben, c'était ce peu-là, ben, ça me faisait aller loin de Dieu, j'étais pas sauvé. Et il fallait que je demande pardon au Seigneur, et puis là, je me suis humilié, je demandais pardon au Seigneur. Et puis là, l'Esprit est tombé sur moi, mais d'une force vraiment formidable, que ça m'a rempli tout mon être entier, tout mon intérieur, et j'ai tombé à genoux. Et quand j'ai tombé à genoux, j'étais baptisé du Saint-Esprit, il y avait plein de jeunes qui étaient là, il y avait aussi de ma famille. Et c'était une réunion assez particulière. L'Esprit du Seigneur ben, s'est répandu sur nous, hein, comme un vase. Oh, merci. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que le Seigneur, ben, c'est lui qui est venu nous chercher. Amen. Malgré que nous, on Amen. Était loin, qu'on avait une petite connaissance. Mais c'est le Seigneur qui vient nous chercher, c'est le Seigneur qui nous amène à la bénédiction par son amour. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que maintenant, ben, j'ai un foyer chrétien. Après, je me suis baptisé, bon, j'ai eu au débat. On est sur la terre, mais... Avec le Seigneur, on est toujours bien, on est toujours comme il faut. Avec le Seigneur, voilà, faut s'efforcer. Et comme ce cantique est dit, ben que l'Esprit, que l'Esprit, ben soit toujours sur nous. Quand on est à genoux, quand on est ben, debout, mais le Seigneur il est toujours avec nous, hein, dans chaque moment, sa grâce il nous accompagne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.